Bonjour à tous, c'est Ludo, votre expert jeu pour LudiWorld.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce qui est normalement la dernière vidéo d'explication du jeu Ashes. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, je vous oriente sur la chaîne YouTube. Vous aurez accès à l'intégralité du menu. Si vous voulez regarder juste la vidéo d'avant, c'est ici. Hop. Donc dans cette vidéo, on va résumer un petit peu tout ce qu'on a vu précédemment et je vais rentrer dans les petites subtilités qui peuvent prêter à confusion lorsque vous débutez le jeu. Alors le jeu, ça se passe comment? Hop, le résumé, je vais résumer. Vous avez la petite carte d'aide qui est fournie avec, qui résume parfaitement le jeu. Le jeu est décomposé en manches. On va jouer plusieurs manches, entre 2 et 4 manches généralement, jusqu'à ce qu'il y ait un joueur qui n'ait plus de points de vie. Une manche est composée de 3 phases, une phase de préparation, une phase des tours, une phase de regain. Dans la phase de préparation, on va jeter les dés. On va défausser, on va piocher. Dans la phase des tours, les joueurs, en commençant par celui qui a le pion premier joueur, va jouer ses actions. Une action principale, une action secondaire. Ensuite, ça va être au joueur d'après, il va faire ses deux actions. Puis au joueur d'après, ses deux actions. Ainsi de suite, il va y avoir le jeu du ping-pong au niveau des actions. Dès que les deux joueurs passent consécutivement leurs actions principales, ça déclenche la fin de la phase de tour. On en arrive à la fin de la manche, qui est la phase 3. La phase de regain, où on va soigner ses créatures, on va retirer un jeton d'épuisement sur chacune de ses cartes, et on va épuiser et conserver des dés afin de relancer les dés sur le tour ultérieur. Donc ça, c'est un tour de jeu. Au niveau des types de cartes, il y a l'héritier, il y a les unités qui sont les alliés ou les invocations, il y a les sorts qui consomment de la place dans votre grimoire, il y a donc les unités consomment de la place dans votre arène. Vous avez les sorts d'altération qui vont modifier les unités, les renforcer, les diminuer, etc. Vous avez les sorts de réaction qui permettent de répondre à votre adversaire. Voilà, donc ça c'est tous les types de cartes. Vous avez les jetons d'épuisement, il ne faut pas oublier, ça paralyse le texte d'une carte, sauf si le texte est encadré de jaune avec une petite croix, c'est un effet inépuisable. Que vous dire d'autre au niveau des subtilités ? Vous avez, alors oui, on va parler de ça, au niveau des sorts préparatoires. Justement, je parlais qu'un sort consomme de la place dans son grimoire. Pour rappel, chaque Phoenixborn a plusieurs caractéristiques, les points de vie, l'arène, on ne peut pas avoir plus de 6 créatures en jeu, et la grimoire, on ne peut pas en avoir plus de 5. C'est-à-dire que lorsque vous jouez un grimoire en jeu, ça consomme une place dans votre grimoire. Si vous jouez un grimoire différent, ça vous consommera 2 places, et ainsi de suite, vous ne pouvez pas en avoir plus que votre capacité de grimoire. Par contre, quand vous piochez une copie d'un sort que vous avez déjà en jeu, vous pouvez quand même le jouer et le mettre par-dessus le premier. De ce fait, vu que c'est une copie, ça consommera qu'une seule place dans votre grimoire. Par contre, vous aurez évidemment la possibilité d'utiliser indépendamment de l'autre chacun des grimoires. Donc là, vous pouvez utiliser votre même grimoire 2 fois parce que vous avez une copie et une autre. Et la petite cerise sur le gâteau, enfin évidemment, si vous en avez 3, vous pouvez l'utiliser 3 fois. Vous avez sur certains sorts une capacité de concentration. La concentration est une capacité qu'on gagne si on a mis une copie du même sort sous le premier. On va gagner concentration 1 parce qu'il y a une copie. Si on met une deuxième copie, on va gagner concentration 2. Alors sur les sorts d'invocation, la concentration, ça va être des effets supplémentaires, soit un petit bonus par rapport au premier effet, soit une réduction du coût par rapport au prix initial, soit, je sais pas, il y a plusieurs effets possibles, mais du coup, il y a vraiment l'intérêt de jouer les cartes en multiples copies, parce que la première copie va devenir de plus en plus intéressante à jouer. Donc ça, c'était la concentration, le focus en anglais. Il y a beaucoup de joueurs qui confondent la concentration sur les sorts avec les capacités de certaines unités, de certains alliés, qui sont, il faut l'avouer, formulées un petit peu de la même façon, mais sur beaucoup de cartes unités, vous avez des pouvoirs qui sont indiqués en gras, avec un numéro derrière. Là, par exemple, vous prenez contre-coup 1, lancer 1, détonation 3, embuscade 1, ainsi de suite. Vous avez plein d'effets différents dans le jeu. Ça, c'est un petit peu différent de la concentration.
Cet effet-là ne va pas se déclencher quand vous aurez une copie sur cette carte. C'est un effet que vous avez de base. C'est un pouvoir que vous avez automatiquement quand vous mettez la carte en jeu. Et le petit numéro derrière, c'est juste en fait un rappel de l'explication de cette capacité. Par exemple, si on prend la capacité lancer 1. Alors je vais me mettre sur la grande caméra. Capacité lancer 1, ça dit, durant votre tour, vous pouvez placer un jeton épuisement sur cette unité pour infliger un dégât à une unité ciblée. Ça, c'est le pouvoir lancer 1. Ce pouvoir-là, on va pouvoir le retrouver sur d'autres cartes du jeu. Et une fois que vous avez compris, que vous avez mémorisé que lancer 1, ça servait à mettre un jeton épuisement pour faire un dégât, bah vous n'avez même plus besoin de lire le texte. Vous savez que lancer 1, ça fait ce pouvoir-là. Pourquoi le petit numéro 1 dans ce cas-là? Parce que la capacité fait un dégât. On peut imaginer à l'avenir, ça n'existe pas pour le moment, mais une capacité de lancer 2, lancer 3, lancer 4, ainsi de suite, où l'effet du jeu sera exactement le même. Vous n'aurez pas besoin de mémoriser une nouvelle capacité. Ça sera toujours, on met un épuisement pour faire un dégât, sauf que lancer 2, on fera 2 dégâts, lancer 3, 3 dégâts, et ainsi de suite. Et en fait, les capacités de toutes les unités, tous les alliés ou invocations, ça fonctionne exactement pareil. Contre-coup, ça fait un type d'effet avec X dégâts, donc contre-coup 1, 1 dégât. Détonation 3, ça fait un certain type d'effet, mais en faisant 3 dégâts. On peut imaginer détonation 2 ou 20 milliards. Donc voilà, donc ça, je voulais vous préciser ça, parce que c'est vraiment différent de la concentration. La concentration, c'est on met une copie de sort, qui va renforcer le sort et gagner en concentration. Et les capacités des unités, c'est des capacités avec un certain nombre de dégâts derrière, et ce nombre de dégâts est annoncé par la valeur après la capacité. Donc voilà, là je chipote vraiment, mais c'est la dernière vidéo d'explication du jeu, et je préfère être précis et bien préciser les choses. Une petite subtilité qui est l'effet de jeu ravivé. Alors ravivé, ça veut dire que quand la carte quitte le jeu, soit elle est détruite, soit je ne sais quoi, quand elle quitte le jeu, on peut payer le coût indiqué après le mot-clé ravivé. Donc souvent c'est un coût en mana, en phase de dé. Vous pouvez payer ce coût-là pour remettre la carte dans la main. Donc ça c'est aussi très pratique, et ça rend ces cartes-là avec ravivé relativement puissant, parce que vous allez pouvoir recycler vos cartes et les utiliser à nouveau sur d'autres cibles. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc écoutez, normalement, j'ai fait le tour. J'espère ne rien avoir oublié. Le jeu est vraiment simple, finalement, au niveau des règles. Vous allez vous rendre compte, malgré tout, qu'il y a énormément de possibilités de jeu, et que, un peu comme Netrunner, les règles sont simples, le jeu est extrêmement profond, avec une dynamique et un tempo qui lui est propre. Le coût des actions en ping-pong, c'est exceptionnel, vraiment. C'est ce qui rend, à mon sens, avec les pouvoirs d'aider, le jeu vraiment original et exceptionnel, finalement. Je le compare de plus en plus à Netrunner dans les possibilités de jeu qui nous sont offertes dès le tour 1, de par le fait qu'on choisisse sa main de départ, le fait que les invocations, on n'a pas besoin de les piocher, on les génère directement avec des cartes qui sont en jeu. Et puis, il ne faut pas oublier non plus, je reviens sur la caméra de gros plan, que vous avez des dés qui vous génèrent des pouvoirs radicalement différents. Et vous pouvez utiliser les dés et faire des effets sans avoir besoin de jouer de cartes. Donc ça, plus ça, plus ça, le jeu est vraiment d'une richesse très très grande. Moi, c'est un énorme coup de cœur, vraiment, sincèrement. Alors des coups de cœur, j'en ai beaucoup, je sais, mais bon, ces dernières années, il y a eu quand même de bons jeux de sortie. Il y a eu la réédition de Doomtown, qui est un jeu que je place au même niveau que Netrunner au niveau de son originalité et du développement du jeu sur table. C'est des jeux super originaux, novateurs. Doomtown est quand même relativement compliqué, je dois l'avouer. Il y a eu Game of Thrones, qui est un jeu peut-être un petit peu plus classique, mais terriblement profond par rapport à son extrême simplicité. Et puis le coup des défis, des complots, c'est vraiment très très bon. Mais Hachi, c'est vraiment une grosse surprise, parce que je ne m'attendais pas à voir un jeu aussi novateur, aussi joli, avec lequel je prenne autant de plaisir à jouer. Alors j'adore aussi manipuler les dés, mais les dés, on ne les manipule pas trop, puisque finalement on les lance au début de la manche, et il va y avoir très peu de manches dans une partie. Mais voilà, c'est un jeu qui est
extrêmement libre, extrêmement riche, que ce soit en gameplay ou en possibilité de construction de deck. Il n'y a pas vraiment de faction, d'influence, de couleur de jeu. Vous pouvez mélanger toutes les cartes entre elles, sauf les petites cartes qui sont affiliées à un Phoenix Born. Vous avez un petit logo en concordance entre les deux. Donc voilà, je pense que c'est un jeu que je vais vraiment pousser en avant. J'en reparlerai de nouveau sur la chaîne. Peut-être que je filmerai des parties, etc. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter. J'en ferai peut-être une vidéo, des vidéos supplémentaires. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette série de vidéos. Continuez à vous abonner à la chaîne, à la page Facebook, aux différents réseaux sociaux sur lesquels je suis inscrit. Et continuez à vous faire plaisir sur la boutique, parce que l'air de rien, c'est ça qui m'aide. Donc n'hésitez pas à acheter vos jeux sur Ludiworld. Merci beaucoup et à très bientôt. Salut!